Excuse, on fait pas deux fois, oui. Allez. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Saïk Airline, nous allons décoller d'ici peu. Merci de prendre place sur les sièges. Il y en a aussi deux à l'arrière qui ne fonctionnent pas. Enfin, vous pouvez vous asseoir, mais il n'y a pas d'écran. Merci de vous asseoir. Est-ce que je peux aller aux toilettes? C'est quand qu'on est arrivé? On est bientôt arrivé. Allez, on se casse. Allez, c'est parti. Ça va les motos? Ouais, on est bien. Là, je suis à 5 km/h. Bon, écoute. Si on compte tout le monde drive, on entend une grosse explosion, c'est que... Oui, voilà. Pas de si on compte tout le monde drive, tout le monde explose, vous savez pourquoi. Allez, let's go. Train d'atterrissage. Yep. Et c'est parti. Oui, c'est très bien comment je sors des planètes, de toute façon. Comme un suppositoire. À 90 degrés, voilà. Ah, ça va, on n'a pas explosé. C'est vrai. On n'a pas explosé. C'est un bon début. Je suis encore en altitude. Hein. Je dis quand alors. Je... Oh les gars, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors, les motos ont pas bougé. Tu veux faire quoi? J'essaie de vous mettre à la limite. Genre, dès que je quitte l'altitude, ouais. Je pile et vous revenez en altitude. Enfin, en sol. Oh, ça va être génial. Oh, vous allez tellement exploser au contact de la planète, mais qu'est-ce que ça va être bien. Ouais. Alors du coup, je suis désolé, on va mettre beaucoup de temps parce que je vais vraiment essayer de choper le... Enfin, le moment... Enfin, je me comprends. Elles sont très sages, les motos, honnêtement, rien à dire. Ça tremblote même pas dans le... Bah, après, parce que je reste en bleu aussi, hein. Je sais pas si ça compte. Allez, alors, Je suis à 18 km d'altitude, tu sais à peu près combien il y a ou pas du tout? Non, pas sur celle-là. C'est pas trop long, ça va aller. Bah au pire, si je dépasse, je reviens en fait, on va faire comme ça. Bah au pire, tu sais, si tu dépasses d'un mètre, on s'en fout, t'sais... Genre, ouais, on redescend après. Ça va quand même faire loin, ça va quand même faire loin pour vous, je pense. Après. Non. Ça va être mortel. Ah, ça va être terrible. Ok. Bon, je vais faire caca. Je freine. T'as jeté qu'on puisse déployer les toilettes, hein, franchement. Tu dis quand t'es arrêté? Attendez un petit peu, j'ai beaucoup dépassé. Laissez-moi un petit peu corriger. Ah ouais, soit on marche arrière et on se retourne pour la descente, ça va être stylé. Je sais rien. Ah, j'ai ouvert. Enfin oui, il faut ouvrir, mais attention à ne pas vous approcher du bord. On peut s'amuser à l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Jour, nuit. Passe pas le moment du jeu, s'il te plaît. C'est pas un jeu qui se pète aussi facilement, voyons. Oh mon dieu, blue screen. Les blue screen serveur. Ok, je suis pastèque partout. Les pastèques. On est bien là? Ouais, attendez. Faut que je me tourne maintenant. Tiens, on lance ton ox, attends que je sois plus dans la pièce, Nico, histoire que je meure pas. Ah oui, on y va chacun notre tour. Ouais. C'est mieux comme ça. Ouais, belle bête, hein. Belle bête. Ouais. Et nous sommes officiellement stables, juste okay. Au-dessus de l'atmosphère. Alors t'as encore coupé le contact, hein. Oui, je sais, mais c'est pour pas qu'on bouge. Bah en fait, tu coupais juste les moteurs et c'était bon. Oui, bah ça va. Oh là là, je suis tellement deck de pas participer. Ah, je peux pas. Attendez, je peux monter en passager. Tu peux monter derrière moi, ouais. Attends, on va laisser Nico bouger avec sa Nox. Histoire qu'on se fasse pas démonter. Viens, on sort du sas. Ouais, on te laisse sortir, Nico. Ah oui. Oh, ça va être génial. Oui, tu pourras record, s'il te plaît. Je suis en train de record déjà là, depuis ton décollage. Ok. Moteur. Action. Ça tourne. On fait pas le con. Doucement. Engine ready. Doucement. Allez. Perdu dans les spasmes. Vous êtes prêts? Non. Uh-huh. Vas-y. La tourelle me fait peur là. Ouf. What the fuck? Attention. Ça va Nico? Ouais, oh. Ça va Nico? Petit souci, je crois. On se calme tout de suite, on se calme. Mec, je te vois coincé dans le vaisseau au niveau de la tourelle. Ça clignote bizarre. J'ai peur.
Sors. Attends, tout seul avec ton Dragonfly, après je monterai avec toi. Attends. Parce que pour débloquer Nico, je vais mettre un coup d'aile. Ah merde, je suis monté derrière. Essaie de survivre, Nico. Dès que Will sort, je mets un coup d'aile et je te débloque. Okay. Sérieux, mec? Essaie de pas mourir. Pourquoi j'arrive pas à monter dans le... Il faut se mettre à droite. Ah, ça y est, ouais. C'était à gauche. Oui, enfin bref, de l'autre côté. Contact. Tu me dis oui dès que t'es sorti et je mets un coup d'aile à Nico. Engines online. Ouais. Merde, bouge pas, tu bouges là. Ah oui, je sais pas pourquoi. Mec, t'as refermé le cockpit. J'ai rien fait. Ah, je peux pas sortir du coup. Attends. Nico, il est dans le vaisseau. Je suis dans le vaisseau. Tu t'es fait repop. C'est bon, j'ai ouvert. Ok. Tu es toujours dans le vaisseau. Attendez, touche à rien, s'il vous plaît. Bah viens avec moi du coup, Saika. Ouais. Alors du coup, je fais juste un engine off, on est d'accord. Ouais. Tac. Nico, je te vois écrasé au sol avec ton ox. Engine off. Et pour moi, en plus, on bouge pas. Ok. Allez, viens mon petit Saika. Allez, viens. Monte sur ma moto. Ouais, oh, Nico, je te vois quand même ouais. À l'arrière. Monte passager. Ouais. Yes, ça... c'est bon. Oh yes. Excellent. Ah mais attends, faut que je débloque Nico, je suis con. Attends. Vas-y Nico. Oh putain. Eh ben oui. Sors de dans l'espace et je te rejoins dans l'espace. Là ça y est, je me suis redressé. Ah, je sais pas si ça va aider. Tu peux strafe avec A et E au pire. Mais Nico, t'es complètement bugué ou t'es dans le vaisseau là? Je suis dans le vaisseau, je suis sur ma moto, je tourne doucement. Ah non mais c'est bon, ouais. Y'a pas besoin de... Je me suis débloqué je pense. Ok, attends, arrête de bouger. Non si, vas-y, continue de bouger. Non continue, fais ce que tu veux. Oh c'est bien ça, oui. Serre bien le mur quoi, tu passes pas en dessous de la tour. Ok. On savait que tu peux remonter sur moi je crois. Enfin. Ouais attends, dès que Nico est sorti, allez, bon, normalement là, attends, je vais y aller doucement. Hop. C'est génial, putain. Excellent. Et let's go. J'ai vu des dès qu'il est sorti, moi. Putain la vache. Alors, Moon's Press Passager. Let's go, Kobe. C'est bon, t'es là. Ouais. Par contre, je crois que notre vaisseau... Ah bah oui, il tombe, il est attiré par l'atmosphère. C'est trop... On est en train de s'écraser, donc essaie de te dépêcher. Ouais. Ah non. Je peux pas pointer vers le bas, par contre. Nous aussi, on est en train de s'écraser, là. Ouais. Oula. On est bugué. F4. Voilà. Non, c'est bon. Ouf, là. Oh, what? Oh oui. Qu'est-ce que... J'ai perdu connaissance. Il faut que j'éteigne les moteurs. Non, c'est bon. Oh. What the fuck? C'est génial. Bon, par contre, on va tomber droit en fait, ça va être super chelou. On est d'accord. Ah, je vois pas Nico. Je le vois. Ah non, c'est le freelancer ça, putain. Je suis beaucoup plus bas, je suis pile en dessous de vous. Le freelancer, il est en train de tomber de fou. Et la fumée. Ouais. Je scream cette fumée. Attends, on le rattrape là. What? Putain, c'est débile. Ouais, en F4, c'est magnifique. Ah ouais, je suis en F4 là. Je peux plus. Et du coup, Nico il est encore plus bas, je le vois même pas. Ouais. Ah, si c'est bon, attends. Regarde, si je pivote, on peut le voir. Merde, putain, j'avais réussi à le voir vite fait. Je me suis mis en F4 aussi. Ah, je suis en F4 de toute façon, donc je vois tout. F4, tu peux pas voir les icônes des gens. Ah, putain, oui. Le vaisseau il est où par rapport à nous là? C'est magnifique. Il est totalement au-dessus, le vaisseau, on l'a perdu. Il est à 2000 mètres au-dessus de nous, je le vois, putain. Je vois le personne. Ah, j'ai pas tardé à atterrir. Sérieux? Ouais. Oh, on est encore assez loin dans l'espace. Putain, regarde, on voit Crusader là. Bah, en fait, il est peut-être plus lourd le vaisseau de Nico. Oui, oui, il est bien avant et d'une meilleure façon. Sérieux? Ah, ça y est, je le vois. T'en bouge pas trop de la position où t'es, je vais essayer d'atterrir au même endroit que toi. Ça a aucun sens, bordel. Bah, je te rappelle quand t'étais tombé, c'était sur cette planète là, hein, ça y est. Ah, ouais? Oui, parce que moi, un jour, Nico, j'étais sauté sur une palette à pied comme ça. J'étais pas mort.
Le mec, il sort de mon vaisseau, on était dans les airs. Mais c'était sur une fight à faible gravité. On est revenu. Ouais, c'est celle-là. On est revenu au poste en fait. Hein. Ah ouais. Ouais, bah j'ai fait un piqué en fait quand je suis monté. Donc. Putain. Et Nico, est-ce que tu nous vois en l'air ou vraiment pas du tout? On est au-dessus de toi normalement. Et j'essaie de reculer pour vous choper dans mon angle, mais non. Ou sors de ton truc au pire. Ah. J'ai trouvé une façon de tomber optimale. Et notre vaisseau. Alors j'ai pas la distance. Ah, je vous vois. C'est vrai? Ah, là je peux tomber en pique, regarde. Ah ouais. Est-ce que tu vois la distance? Enfin, notre distance. 7000 mètres. Ah putain, oh. 7 km. Et t'as des 100 mètres ou pas? Oui, oui. Et on a le freelancer qui est 3000 mètres plus loin. On va aussi voir gentiment se poser, d'ailleurs on va attendre ça évidemment. Oh putain, je suis en train de me prendre DG là, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien du tout. Ah. Il y a eu des sons sur le. Putain, j'ai l'impression qu'on tombe de plus en plus vite, mec. Ouais, oula, là on tombe vite là. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé, tout accélère? Waouh! Le moteur il est en train de péter un câble. Oh! Waouh! Wow. Oh, moi je sens de l'avant. Putain, c'est débile. Tu veux pas remonter? On est bien là. Il est où Nico? J'arrive. À l'avant-poste? Il y a un freelancer à 7000 mètres. Putain, c'est avant, venez, il est en train de se prendre sur ses pieds. Attends. Freelancer qui passe la barre des 7000, c'est en train d'accélérer de fou. Offline. Je te vois pas, ça y est. Merde, moi je me vois. Je vois Nico là qui vient d'arriver. Oui, là j'ai ma lumière, tu vois pas. Le plus loin est à 300 mètres de nous. Ah. Quel freelancer il arrive? 700. Bah, tu voyais aussi son icône du freelancer? L'icône, le freelancer, ouais, je le vois, il est 6700. Le tracker? Ouais. C'est de le récupérer. Je m'approche. 500 mètres. Je m'approche du point de choc. Ah putain, ouais. Engines, lieu d'impact. Comment on se soigne, oui? Medpen, c'est V ou C. Si t'en as un équipé. Hein. Je vais. Bizarrement. Bizarre, ah, tu t'en sors bien. Ouais, je m'en sors bien. Ah, ça écarte si tu veux. Ah, je vois. Je suis à côté de toi. Le mec là qui a fait son saut depuis l'espace, je dis petite bite. Non, je veux pas monter, je veux juste. Ah ouais, il peut pas monter sur le Nox, Saika. Tiens, monte sur le mien, Saika. Ouais, je te s'installe. Ah oui, c'est. Il est encore à 5500 mètres, on a le temps. Ah, ça y est, je le vois sur mon écran. Tu me dis quand t'es dessus? Attends, ça marche pas, je marche pas. C'est de l'autre côté. Let's go. Allez, let's go, Pikachu. On va le récupérer nickel, ton vaisseau. Si lui il a rien là, je pète un scandale. Bah, en vrai, je pense que ça dépend comment il tombe. S'il tombe sur les landing-pads, bah oui, c'est. Non, c'est les trains d'atterrissage. Les landing-pads, c'est les pistes. Ouais, ça va, s'il tombe sur les landing-gear, c'est pour ça. Yes. Alors, moi sur ma caméra, je vois rien vu que je suis à l'arrière, mais. Tiens, on dirait les films un peu catastrophes là où. Et les théories de Carrie. Vous pensez qu'on peut attraper le point de choc avant que ça tombe? Je pense qu'on peut attraper le freelancer avant qu'il touche le sol. On s'est en dessous, on amortit bien, tu vois, avec l'antigrave ça devrait aller. Après tout, il fait une chute de je sais pas quoi de kilomètre pour faire un petit poc à l'atterrissage, quoi. Ça n'a pas de sens. Ah bah je le vois visuellement. Putain, il est en train de tomber vite, hein. Ouais, c'est. Putain, je sais pas si on arrivera à temps, mec. Ah, moi je vais essayer d'arriver. Nox là il trace bien, ouais. Ah non, merde. Non, c'est bien. Ah! Et oui, il va s'écraser dans une seconde là. Ouais, on le voit. Oh, j'y suis! Et bim! Il est vivant. Oula, il a pris un sale choc quand même. Ah bon?
Il y a eu un gros paf, mais Ouais, ça fait un gros paf bleu quand même. C'est le shit. Ouais, c'est le shit. Non, tire pas dessus. Il t'a rien fait, le petit. Mais si, allez, on le pète, c'est bon. Friendly fire. Friendly fire, oui, bah. Abusez-vous. Friendly fire. Ah, hey, plus chill. Ah bon. Friendly fire. Friendly fire. Friendly fire. Je crois qu'on en a pour un moment. Les gars, faut absolument qu'on règle ça sur une faille. Hearthstone. Friendly fire. Ok, vous savez ce qu'on fait demain. La même chose, mais pas sur une lune cette fois. Ah, il a perdu un moteur. Attends, arrête de tirer, je vais t'en. Il y a un moteur qui est tombé. Tu veux le faire décoller? Attends. Qu'est-ce qui manque? Les épaves persistantes. On pourrait peut-être faire un petit mémorial, c'est genre. Ah merde, je crois que si je faisais C, la moto elle allait continuer. Non, il a pas de crusader le. Ah bah il a des pop. Ah déjà, putain, ouais, merde. Comment dire, okay. Je suis à 5220 km de mon Dragonfly. Très bien. Non, je suis sorti, ça m'a téléporté à 5 km du coup. On est bien. C'est... Ouais, bah, j'ai installé ma tente. Voilà. Oh nice, GG les gars. T'as mis la soirée seul dans le désert. Bon, c'était marrant. Bah du coup, demain, on arrive dès qu'on arrive, genre rapport au Lissard, on charge direct les Dragonfly, les 3 dedans. Et ensuite, direction une vraie planète, c'est la grosse atmosphère. Hearthstone. Sachant que l'atmosphère commence à 100 km. Ouais.